Hello and welcome on Watches TV. And today we have a different type of configuration here at the Watches Club, as we have three honorable guests to talk about the launch of the brand. But this launch doesn't come from nowhere. Okay, there's a nice story behind. So first of all, tell us a little bit about Taos. So Taos is a new brand launched on the 14th of March this year. And the backstory of it is basically my encounter with Olivier and Dominique Vaucher. I'm extremely lucky to have a family connection with them. We were discussing about this project privately for a long time. And then back in 2021, when I decided to leave my job at Cartier to create my own watch company, which is a different company, I called them and I said, well, you know, this dream that you have had for a long time, I think now we should realize it, so I can be the head of the project, making sure that everything works together, and we should launch it. All right. So what is the main particularity of the timepieces? And then we'll come to you. So basically, Taos is all about métier d'art, and our mission is really to promote and share our love and passion for true and beautiful métier d'art through unique pieces. So this first inaugural collection of seven unique pieces is meant to share this. Every watch has a different technique or showcases something different and unique. And that's really the goal of Taos. Mm-hmm. So we're talking indeed métier d'art. And just a few years ago, quite some time ago, we had done already a nice little video report on your workshop. I'm going to switch to French, okay? So that everything is clear for everybody. Très bien. Vous avez vos ateliers de métier d'art depuis quelques années, oui. On va dire. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quels sont les métiers qu'on retrouve chez vous, que vous avez développé, vos compétences, les plus marquantes? Mais oui, l'atelier, c'est vrai, il a 46 ans. Hein, oui. Donc, c'est pas d'hier, effectivement. J'avais 24 ans. Et au début, c'était un atelier de gravure, uniquement. Et puis, petit à petit, on s'est mis aussi à faire des cadrans compliqués. Dans les années 2000, hein, et puis dès 2003, quand j'ai rencontré ma femme qui est peintre, on a alors explosé les métiers d'art. Quoi. C'était justement une renaissance incroyable de 2004-2014, mais 10 ans incroyables d'une montée de renaissance des métiers d'art qui nous a permis une expression diverse des métiers. La gravure, le sertissage, le particulier, ou l'émail, la peinture émail, la peinture synthétique aussi, qui a toujours gardé son essor, surtout sur des nacres qu'on ne peut pas émailler. Quoi. Mais voilà, ouais, une belle aventure. Et on vient de déménager l'année passée. Oui. Ça a permis de réunir déjà deux ateliers qui étaient à distance, quoi, de réunir tout le monde, indispensable, et puis d'agrandir un peu, d'accueillir des jeunes. Des jeunes incroyables, des jeunes. Actuellement, on trouve des jeunes doués qui ont la pêche, qui viennent de divers métiers, pas forcément directement les métiers qu'ils vont faire, mais ils ont des qualités d'adaptation mais qu'on n'en rencontrait pas à mon époque. Quoi. À mon époque, un métier, c'était 6 mois de lime, 6 mois de petits coups de burin tout droit. Et actuellement, quoi, mais on peut compter sur une rapidité. Quoi. Les temps d'apprentissage, ils sont complètement chamboulés. Hein. On peut faire confiance à un jeune qui a le feu, qui a la pêche, qui a la joie de travailler. Et il démarre à une vitesse mais qu'on n'aurait pas cru à l'époque. Quoi. Et comme votre atelier fait appel justement à plusieurs types de compétences différentes, est-ce que vos collaborateurs sont appelés à travailler sur les différentes possibilités ou alors ils sont aussi spécialisés? C'est vrai qu'on adore les doubles métiers, parce qu'il y a des telles variantes dans l'année, quoi, de demandes sur la gravure, de demandes sur l'émail, la peinture, ou bien la marqueterie, toutes sortes de particularités, quoi, que la polyvalence, elle est bien, là, vraiment la bienvenue. Et elle apporte de la créativité, cette polyvalence? Ah, tout à fait. Ah, oui. Ouais, tout à fait. Voilà. Oui, par exemple, il y a
C'est en 2009. Donc après moi m'être mise à la micropeinture, puisque je peignais des grandes toiles et j'ai dû m'adapter aux petits. Et une fois que j'ai eu fait ce travail d'adapter mon métier aux tout petits, je me suis mise à l'émail. Et puis j'ai emmené avec moi une de nos graveuses qui avait fait l'école Boulle à Paris et qui avait fait de l'émail à l'époque comme ça, mais qui avait envie de se lancer dans cette aventure avec moi. Et donc on a commencé toutes les deux. Et en fait, l'avantage, c'est que quand on est graveuse et émailleuse, elle connaît à la fois comment réagit l'émail sur l'or et elle va savoir comment graver en dessous pour que l'émail prenne la couleur ou soit plus, moins lumineux. Elle va sentir et expliquer aux autres graveurs. Et ça, c'est un plus. Ah, j'imagine, ouais, effectivement. Oui, oui. Ouais. Et donc, vous avez travaillé pour de multiples maisons pendant toutes ces années. Et un jour, ben voilà, vous dites, on va avoir notre propre terrain d'expression, en fait. Exactement. Notre propre terrain d'expérimentation. Tout à fait. Et c'était ça un peu l'idée derrière. Et oui, il y a longtemps qu'il y avait l'idée, une fois, de créer ça. Mais avec des jeux horlogers qui se lancent, ça fait plaisir d'avoir concrétisé le projet va au travers d'Olivier Gault, deux Olivier qui se sont rencontrés. Voilà, exactement. Et puis la grande différence avec les grandes maisons, on est reconnaissant, elles nous donnent régulièrement du travail. C'est devenu petit à petit des plus grandes séries. Quoi. Donc les séries, ça permet à l'employé d'écouter de la musique parce qu'il a l'habitude, il fait ce travail depuis peut-être 10 fois, 20 fois, ou si ce n'est pas plus pour certaines séries, quoi, qui deviennent à la rigueur un peu rébarbatifs. Tandis qu'avec un jeune horloger qui se lance, on peut se permettre de faire des pièces uniques et ça qui demande une concentration toute différente, hein, prendre des risques différents, hein, on peut se permettre de recommencer plusieurs fois, parce que c'est souvent le cas, parce qu'on ne pourrait pas proposer ça à une grande maison, parce qu'on ne pourrait pas savoir le prix. Quoi, si pour commencer 4 fois la même pièce, c'est difficile d'évoquer. En recherche et développement dans l'atelier, on peut se le permettre. Quoi, voilà, on recommence 3 fois, 4 fois, enfin c'est bon. On fait la pièce, on se dit on ne la refera plus jamais, c'est trop compliqué. Quoi. Mais bon, elle est faite et puis c'est une pièce unique pour Taos. C'est ça, quoi. Exactement. Et donc, j'ai la chance en fait d'être le récepteur des travaux les plus, fous des recherches et développement de l'atelier, des projets peut-être qu'ils avaient imaginés, mais qui sont trop compliqués ou trop difficiles à répéter pour des séries, donc pour des grandes maisons, des clients de l'atelier. Et du coup, c'est aussi pour ça que c'est que des pièces uniques, parce que certains de ces cadrans sont tellement difficiles à faire, où il y a tellement de risques qui sont inhérents à la création du cadran, qu'on ne pourrait pas les faire en série. Mais vous n'êtes pas arrêté simplement au cadran, parce que vous avez carrément développé une montre à part entière. Donc, comment est-ce que vous avez défini un peu le cahier des charges de cette montre et qu'est-ce que vous souhaitiez comme outil, quelque part, qui vous permettra d'exprimer justement vos différents talents? Alors, plusieurs niveaux en termes de création. Si on parle de la boîte, là, on a travaillé avec une designeuse. Et là, le brief pour elle, c'était vraiment déjà une taille qui soit unisexe, 38 mm. Essayer, malgré les contraintes d'épaisseur de cadran qui sont assez importantes pour du métier d'art, de garder une montre qui reste quand même fine, élégante, féminine, et en même temps qui soit un porte-cadran. Donc l'attention n'est pas mise sur le design de la boîte, mais en fait il faut que la boîte soit là pour être présente et se faire très rapidement oublier pour mettre en avant le cadran. C'est un peu comme le cadre d'un tableau, où il doit permettre d'enjoliver la toile sans forcément devenir un sujet à part entière. Mm-hmm. Donc ça, c'était le but. Et puis ensuite, quand on a voulu un mouvement, là, c'est posé la question. Moi, j'ai fait beaucoup de recherches chez différents fournisseurs de mouvements. Il n'y avait rien qui nous correspondait complètement, parce que le but, c'était aussi de pouvoir le décorer. Donc c'est là où je me suis mis à chercher des personnes qui faisaient du développement mouvement. J'ai rencontré Franck Orny de Telos, avec qui on s'est bien entendu. Et on a travaillé avec ses constructeurs sur le projet du VOP 318, notre calibre maison. Et là, le brief également, c'était d'avoir un maximum de place sur les ponts pour pouvoir les graver. Ce qui est une approche un peu différente
d'une tradition horlogère, on va avoir des ponts avec un joli design, de l'anglage, de l'air pour montrer les roues, etc. Nous, ce n'est pas du tout ça le propos. Le propos, c'est décoration, métier d'art, gravure, expression là-dessus. Donc c'est pour ça qu'on a un calibre avec un pont de barillet qui englobe les deux barillets, qui fait quasiment les trois quarts de la pièce, sur lesquels ben, Emma, la designeuse de l'atelier avec qui on a énormément travaillé, a pu dessiner un super décor pour cette première collection. Bah, parlons justement des décors. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu ce que nous avons devant nous et les différentes techniques employées par Garde-Temps? Oui, bien sûr. Donc la première collection, c'est cette montre-là. Le but avec Taos, c'est d'essayer de travailler une fois par année sur un thème et ensuite avec une grande liberté pour Emma de déborder. Voilà, donc là, le thème inaugural, c'était le thème euphorie, rayonnant, feu d'artifice, quelque chose de joyeux. Donc ces sept premiers cadrans sont basés là-dessus. Également, le décor du mouvement, c'est un décor très, très floral, très rayonnant. Et en fait, tout est parti là-dessus. La première pièce qui est sortie, le premier cadran, c'est celui qui est là, en vol bleu, sous le nom de code Plume, à l'interne de l'atelier Olivier Vaucher. Et voilà, donc ça, c'est un cadran, en fait, c'est une base en or blanc. Il y a déjà trois niveaux différents de plumes. Hein. Puis ensuite, au burin, chaque plume est regravée. À l'échoppe. Toujours sur soi, c'est ça, on ne sait jamais. On ne sait jamais, voilà. Exactement, comme ça, on voit de quoi on parle. Voilà, très bien. Voilà, à l'échoppe, le graveur a gravé chaque élément de plume avec son burin, son échoppe. Hein. Et c'est ce qui a donné ces reflets de plumes, où de temps en temps on nous dit, mais c'est des vraies plumes, là, ouais. Bah, c'est plutôt réussi. Oui, exactement. C'est vrai qu'on l'a dit. Ouais. Mais effectivement, il y a trois niveaux, ce qui donne ces profondeurs dans l'émail, quoi, ouais. Puisque tout est recouvert d'émail pour les plumes qui sont sous l'émail, mais vous avez aussi un décor gravé en taille douce, pareil, autour, une fois que l'émail est terminé, une fois qu'il a été lapidé, on a repris la gravure de l'entourage, là, aussi en taille douce, et il faut arriver à s'arrêter juste avant l'émail, sinon ça casse. Ah ouais. De même pour le sertisseur, juste à côté de l'émail, ne pas déborder. Oui, voilà. Ça fait là, sur ça, il n'y a pas eu de problème. Hein. Sur d'autres pièces, on a recommencé. Là, on les a réussi, on en a même fait deux. Quoi, deux couleurs différentes. Mais c'est, pour le moment, cette année, c'en est une qui représente beaucoup de travail de gravure. D'accord. À part le mouvement, qui a beaucoup d'heures de travail. Oui, bien sûr. Donc voilà, si on continue dans l'ordre des plateaux, donc ici on a la pièce Onde qui est une nacre gravée. Donc là, c'est une seule pièce de nacre qui fait à peu près 1 mm d'épais et qui est gravée sur plusieurs niveaux. Il y a une profondeur qui est vraiment impressionnante. Qu'une pièce de nacre. C'est une seule pièce de nacre. Rien de rapporté, parce qu'il se passe tellement de choses. Et en plus, cette nacre, elle est assez homogène, elle n'a pas de structure de diverses couleurs qui créerait un problème, parce que c'est d'abord ébauché au laser, ça, ouais. C'est de la lumière, et la lumière n'apprécie pas les aspérités ou les différences de couleurs. Quoi. Il y a toute une gravure laser, puis ensuite qui est aussi grattée, reprise, main délicatement et polie. Quoi. Mais voilà, c'est aussi une pièce, on ne pourrait pas nous en demander 10 pareils. Hein. On n'en trouverait pas les nacres. Et ça serait difficile. Et c'est fragile Non, pas à cette dimension, une nacre d'un millimètre, elle est solide. Quoi. D'accord. Ça devient fragile aux endroits tout découpés. Il ne faut pas, justement, faut reprendre ça délicatement sans casser. Oui, je sais, c'est dommage de casser au dernier moment. On a d'autres pièces où la nacre est beaucoup plus fragile. Voilà. Okay. Celle-là, elle est solide. Elle est solide, bon, tant mieux. Très bien. Voilà, ensuite on passe ici sur la pièce Kaléidoscope. Donc, kaléidoscope, c'est des techniques différentes. Donc, en bleu, en lapis lazuli, on a une mosaïque. Donc, vraiment avec tous ces petits carrés découpés, placés, et ensuite avec le ciment au centre, qui est un développement fait par Olivier. Qu'on avait eu l'occasion déjà de faire pour des clients à l'époque. Voilà. Et puis, c'était une manière de retrouver,
ressortir des tiroirs les formules de fabrication et de refaire une pièce où on a poussé, je pense, des détails, le mélange mosaïque et marqueterie. Voilà, et ensuite, bah, on a une marqueterie de pierre. Donc ici, il n'y a pas du tout d'émail sur cette pièce-là. Donc on a deux types de pierres différents. On a de la tsavorite et de la turquoise. Donc voilà, qui sont en fait qui sont découpées et après posées dans des poches. Voilà, en marqueterie. Et au centre, on a une nacre gravée de nouveau à la main, et après une applique gravée à la main en or blanc et poli au centre. Ce qui donne en fait vraiment un niveau de profondeur qui est absolument extraordinaire. Absolument. Un gros travail de montage. Ouais. On ne s'imagine pas hein, que le monteur de cadran, qu'est-ce que c'est quoi, un cadran quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il y a jusqu'à 100 pièces de diverses sur un cadran. Hein. Surtout quand on a des pierres ou du verre, on travaille pas mal le verre aussi. Donc le monteur de cadran, il a du boulot. Quoi, hein. Presque comme un horloger, aller remonter ouais. tous ces fragments de cadran jusqu'à la réalisation. C'est là que... les puzzles. Oui, exactement. C'est, ça. C'est vrai que moi, ce métier de monteur, là, il est complet quand, sur des pièces de ce genre. Ouais. Hein, puisque il n'y a pas spécialement de gravure, il y en a juste sur autour, il n'y a pas d'émail, là, mais le monteur. Ouais. Ouais. Bah ensuite, si on continue, ici, on a la pièce en voile rouge. Mm-hmm. Voilà, la grande différence ici, bah, c'est toute la recherche et développement de la couleur. Sur les plumes, également au centre. Ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure, c'est que le centre, en fait, c'est une fleur d'émail paillonné. Donc dessous, on a un paillon. Ici au centre, c'est un paillon en argent et donc là, c'est un paillon en or. D'accord. Voilà, donc là, c'est aussi les recherches de teintes et de types de paillons différents. Mais sinon, ça reste la même base qu'en vol bleu. Ensuite, ici, on a la pièce Euphorie. Donc là, c'est une pièce qui a l'air assez simple quand on la regarde comme ça, mais en fait, c'est celle qui a demandé le plus de travail. Et c'était la plus dure à réaliser pour l'atelier. Ouais. Donc en fait, c'est un multicouche d'émail paillonné. Donc c'est-à-dire qu'on a 4 ou 5 couches différentes d'émail, ensuite les paillons qui sont imposés dessus, de l'émail de nouveau, une cuisson, et après on recommence. Comme ça, sur 5 niveaux différents. La grande difficulté ici, c'est que les paillons, ils sont extrêmement fins. Et à chaque cuisson, bah, ils peuvent bouger, se retourner. Également, bah, il y a toute la difficulté des couleurs. Les couleurs, ouais. Ça a été très compliqué, oui. Voilà. Ouais. Et pour la petite histoire, quand on a commencé le projet, c'était un développement que l'atelier avait fait. Et ils m'ont dit « Ah, ça, tu verras, Olivier, c'est le premier cadran que tu vas recevoir, c'est, etc. » Et c'est un des derniers que j'ai reçu parce qu'ils se sont cassés les dents. Et c'est le fameux cadran qu'ils ont dû recommencer 4 fois. Mais ce qui est intéressant, c'est justement qu'avec toute votre expérience, malgré ça, il y a quand même toujours des surprises. On connaît le paillon, mais sous des formes beaucoup plus petites à l'époque. C'est des paillons qui étaient frappés. Quoi. Ouais. Mais là, ces paillons, ils sont très grands, hyper fragiles. Quoi. On va le poser, là, rien, il se déforme et tout, il se déforme à la cuisson. Ou bien alors nos multicouches ont été trop foncées, trop claires, pas la couleur désirée. Quoi. Ce qui fait qu'on a eu des déchets, mais à tort l'arigot. Quoi. Et voilà, on s'est permis d'ailleurs de mettre des essais sur les écrans. Quoi. Quand c'était possible, puisqu'on avait accumulé des pièces inutiles de rebut. Ouais. J'imagine bien que pas toujours du premier coup. Non, exactement. C'est vrai que ça a été un peu frustrant de voir que c'était si compliqué, on ne s'attendait pas du tout à ça. Mais à la fin, c'est quand même le feu, hein, le maître dans tout ça, c'est la cuisson et c'est ça qui décide. On n'a pas la maîtrise totale. Et en même temps, c'est ce qui est beau. Et puis quand vous mélangez des paillons d'argent, paillons d'or, ben voilà, la couleur sur l'or, sur l'argent, ça varie, ça ne réagit pas de la même manière. Voilà, c'est donc on... Ouais, ça on a dit,
Non, on ne fera jamais en série. Donc maintenant, un client vient vous voir, on dit non. Et puis on sait pour nos autres clients, voilà. On sait jusqu'où on peut aller, ce qu'on peut proposer. On ne peut pas aller se planter dans une demande d'une série de 20 pièces où on n'y arrive pas. C'est plutôt pas mal, ça. Donc on a quand même une limite les risques de l'autre côté. Oui, oui, on a une vitrine du possible ou de l'impossible. C'est ça, en fait. C'est un peu l'idée. Le cercle vertueux de Taos, c'est aussi pour l'atelier. C'est un laboratoire fantastique, c'est également un moyen pour eux de pouvoir créer en toute liberté, sans avoir les contraintes de grosses maisons, etc. De pouvoir aussi partager librement les derniers travaux, les choses, les avancées techniques et technologiques de l'atelier. Donc ça, c'est vraiment chouette. Ça crée un cercle vertueux, quoi. Tout à fait. Si on continue, si on continue. Donc ici, on a Floréal, qui est là aussi un mélange de techniques. Donc au fond, on a un paillon d'argent qui est posé, émaillé en translucide. Et ensuite, on a un cloisonné en bleu pour les traits ici et puis les pétales. Et au centre, on a une couronne de fleurs en nacre qui est gravée et ensuite peinte en rose. Et à la fin, une fois que le cadran est terminé, lapidé, prêt à être livré, l'atelier le perce en entier pour pouvoir mettre le certi, les diamants. Et du coup, là aussi, pour la petite histoire, à l'atelier, ils nous ont demandé au moins 5 fois si on était vraiment sûr. Et ils sont malins, parce qu'ils ont demandé à Olivier et Dominique, ils ont dit oui, on y va. Après, ils sont venus vers moi quand même, mais Olivier était vraiment sûr. Ça, c'est un gros risque. Je dis on y va. Et là, on a eu de la chance parce qu'il n'y a pas eu de casse. Il n'y a pas eu de déchets, il n'y a pas eu de casse. Donc voilà, ça aussi, c'est une des raisons pour laquelle c'est une pièce unique, parce que pour une série, c'est beaucoup trop de risques. Ouais. De le faire. C'est un micro-certissage avec 3 griffes réunies avec un support qui va s'enfoncer dans l'émail avec une découpe en trèfle. Et on l'a mis au point à l'atelier, mais ils n'ont pas trop envie qu'on le vende. Ouais. C'est trop compliqué. Trop compliqué, ouais, mais rien qu'en le décrivant comme vous l'avez fait, on l'imagine. Voilà. Et puis la dernière, ce serait la pièce maîtresse de la collection, c'est la pièce broderie. Et là, en fait, c'est de nouveau une technique développée par l'atelier. Peut-être Dominique, tu peux l'expliquer. Oui, en fait, ce sont des petits fils d'émail. C'était de retrouver l'idée de la broderie, ces petits fils. Et là, on a tiré des fils d'émail, donc à chaud, quand l'émail est en fusion, on tire très rapidement toutes sortes de fils à toute allure. Et puis après, il faut les trier, les tailler à la bonne taille pour les placer dans les petites poches qui ont déjà été préalablement émaillées. On les pose une à une, on ajuste. Et ensuite, la difficulté, c'est qu'on doit repasser ça au four parce que ce n'est pas collé. C'est l'émail qui commence à fusionner un peu et qui colle, qui sert de liant. Mais donc, si on cuit trop, ça tout disparaît, ça fond, bien sûr. Si on ne cuit pas assez, ça ne tient pas. Et la difficulté, c'est que chaque petit fil ne fond pas forcément à la même vitesse. Donc, c'est assez compliqué. Et ça peut être tout à recommencer assez rapidement, chaque petit morceau. Donc. Et on a mis ça au point à l'atelier. Et on trouvait ça tellement beau, vraiment, nous, en tant que femmes, et toutes les femmes de l'atelier, les émailleuses, on était vraiment en amour pour ce projet, qu'on trouve très féminin. Et c'est vrai qu'on a envie un petit peu d'aller encore un peu plus loin dans le domaine. Oui. Ces pièces, elles apportent beaucoup d'enthousiasme dans l'atelier, justement à côté des séries et tout, de se donner complètement, même s'il y a des prises de risques, ce qui demande des concentrations extrêmes, d'accepter l'échec aussi. Voilà. Mais c'est, de temps en temps, ça fait une rupture dans des rythmes un peu plus routiniers. Ça rassemble. Taos rassemble l'atelier derrière. Derrière elle, en fait. C'est ça qui est important. Puis ça fait
vraiment, ça met en ébullition la créativité. Chacun a des idées, on amène, on partage. Et c'est vraiment, c'est joli de voir comment on est rassemblés autour de ce projet. Très joli. Et c'est vraiment un travail de groupe, une fierté de groupe de l'atelier, quoi, de tout le monde. Et j'imagine bien qu'on ne peut pas parler de moyenne par rapport à la réalisation de ces cadrans, mais en grosso modo, de combien de jours de ça représente? On a dit environ 200 heures par cadran. Et puis on n'a pas parlé vraiment de la gravure des dessous. Oui. Hein. Et donc, mais seulement là, il y a une centaine d'heures de gravure. De gravure. Oui. Avec, on donne chaque pièce d'un mouvement à un graveur pour qu'il ait le même style, pour même style de finition, les mats et les brillants finaux, quoi, qu'ils soient bien respectés par chacun. Et quand même, je trouve que c'est bien de mettre l'idée d'Olivier, c'était de vraiment faire du relief sur les mouvements, ce qui ne se fait pas en général, c'est plutôt de la taille douce. Mm-hmm. Et vraiment, ça fait longtemps qu'il a, il a ça en tête, et de faire du relief. Et quelque chose de plus contemporain. Et donc, c'était l'idée d'aller dans ce sens et de se faire plaisir à ce niveau-là aussi. Et ces ponts, pour avoir plus de place, ils ne sont pas anglais. Ils sont jusqu'au rabord, quoi, juste avec un petit filet poli. Quoi. Mais comme ça, on avait plus de place, plus de surface à graver. Quoi. Et puis, on a juste préservé une partie autour du balancier qui est terminée dans les normes, quoi, dans la haute horlogerie, avec les angles rentrants. On a des angles rentrants. Ça, on a travaillé avec Manufactor de Philippe Narbel pour les anglages. Ouais. Donc voilà. On a aussi fait une masse qui est invisible. En fait, elle est cachée sous le fond de la boîte. Avec juste les deux bras qui ressortent. Ça permet également de laisser toute la place à la gravure et quand même d'avoir un mouvement automatique. Oui. Et donc là, vous venez avec le fruit de votre propre créativité, mais j'imagine bien que ça peut développer des envies pour certains clients. Est-ce que ça, c'est quelque chose auquel vous êtes ouvert aussi? Oui, alors on est complètement ouvert au projet personnalisé sous deux manières différentes. La première, comme c'est des pièces uniques, soit une déclinaison d'une des pièces, par exemple, kaléidoscope, si le client souhaite avoir d'autres types de pierres, d'autres couleurs, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait faire. C'est presque plus facile comme ça, parce que le développement technique de la pièce est déjà fait. Mm-hmm. Donc pour le client, c'est également plus économique en tant que tel. Mais ensuite, on est aussi ouvert à des projets personnels. Là, on a eu justement pendant le salon une commande, un client sur un projet complètement nouveau. Donc voilà, ce qui est important dans ces cas-là, c'est que le client ne vienne pas avec une demande arrêtée, mais une certaine ouverture d'esprit, une idée, un dessin ou un design, et ensuite qu'on puisse travailler ensemble avec la liberté créatrice de l'atelier pour que ça reste dans les valeurs de Taos, disons dans l'univers de Taos. Et dans les limites du cadre, entre guillemets, imposé par la C'est ça, exactement, boîte, les contraintes techniques qui sont associées, bien sûr. Ok, très bien. Et donc, comment est-ce que vous sentez l'avenir avec ce projet? On est très confiant. Moi, je suis très conscient, confiant. Et également conscient des difficultés et des challenges pour le futur. Après, c'est un projet qui est tellement spécifique et qui est tellement extraordinaire que j'ai pas très peur pour le futur. Là, en un mois, on a déjà eu beaucoup de très bons retours. On a des ventes, on a des pièces qui ont de l'intérêt. Là, j'ai un prochain déplacement à Hong Kong pour une exposition aussi avec des ventes potentielles. Donc voilà, également, on n'a pas vocation de faire des gros volumes. Mm-hmm. Donc on va rester dans des petites collections, 7 à 10 pièces pour les premières années. Après, si vraiment on est débordé, on va voir, ça va être une grande négociation avec l'atelier pour moi, de libérer plus de capacité et du temps. Parce que ça aussi, c'est une des contraintes principales du projet, c'est les capacités de l'atelier, qui malheureusement n'a pas encore que Taos
comme client. Heureusement. Bah, plutôt. Hein. Mais malheureusement pour moi. mais enfin voilà, c'est je suis assez confiant. Très bien. Bon ben, félicitations en tout cas pour tout ce qui a été entrepris et ce lancement. Et on vous souhaite naturellement le plus de chance possible. Ben, merci beaucoup de votre invitation. Merci beaucoup. All right, guys, so I guess now you've seen quite a few magnificent timepieces here. Hope you enjoyed this and learned a few things at the same time. Thank you for watching and see you real soon. And obviously, viva watchmaking.